Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Wikivlog. Nous sommes mardi 10 septembre, il me semble. C'est ça, 10 septembre. Donc, je ne vous ai pas pris hier, ça commence bien. Je ne sais pas à quoi va ressembler ce vlog parce qu'au niveau de l'organisation, c'est un petit peu compliqué. Voilà, encore plus que l'année dernière. Voilà, donc pour vous faire simple, Evan est donc en C20. Il continue le judo, sauf que le judo, c'est plus le mardi soir comme l'année dernière. C'est du coup maintenant, comme il est à un niveau supérieur, le lundi et le jeudi. Et c'est un peu plus tard, ça se finit vers 7h, 7h15, donc on rentre encore plus tard, c'est la course. Pour vous dire que même du coup les devoirs, on les fait dans la voiture. Voilà, entre temps on a un quart d'heure de battement entre le moment où je vais chercher à l'école et le judo, du coup il fait ses devoirs dans la voiture. C'est top, franchement génial. Donc je suis encore en train de réfléchir comment organiser tout ça, quoi faire. En tout cas, j'ai voulu voir un petit peu la semaine dernière et cette semaine, mais normalement ils n'ont pas besoin de moi au judo. Donc ils sont 3 voire 4, donc il y a des nouveaux qui sont pas des nouveaux, des gens qui sont là mais du coup qui s'occupent des plus grands. Donc moi je vais essayer d'en profiter pour faire autre chose parce que clairement je peux pas rester 1h30 comme ça deux fois par semaine voilà à regarder Evan jouer, enfin jouer, apprendre à faire du judo, tout ça, donc ça sert à rien. Donc moi je pense que je vais soit faire du sport, je vais peut-être en profiter pour décaler mes séances de sport du matin au soir, au lundi soir, donc celle du mardi, par exemple celle du mardi matin je la ferai jeudi soir, et celle du vendredi matin je la ferai le jeudi soir. Moi je pense que je vais faire ça, je vais essayer. Je sais pas si je commence déjà dès jeudi ou si je fais ça dès la semaine prochaine, je sais pas encore, je vais voir. Quoi d'autre, voilà c'est tout. Donc là nous sommes mardi, je viens de le récupérer, je sais pas où il est. T'es où Evan? Dans ma chambre. Qu'est-ce que tu fais? Non mais viens faire tes devoirs Evan. Il est en train de lire. Il est dans sa chambre en train de lire. Mais c'est pas le moment, il faut faire ses devoirs. Tu viens? Donc voilà, j'ai pas mal de colis parce que je me suis dit tiens que je vais en profiter pour vous les montrer, voilà. Donc et puis après je vais ranger tout ça parce que c'est un cirque. J'ai reçu plein de box aussi et pour l'instant je fais aucune vidéo parce que c'est j'attends toujours pour faire une double, vous savez, des fois deux box pour faire une vidéo. J'ai reçu la Prescription Lab et la Birchbox, donc forcément j'attends la Glossy Box et la Looking Credible pour faire les vidéos. J'ai reçu aussi la Woodbox et de février d'août, là seulement fin de semaine dernière. Donc je ne savais pas si je l'attendais celle de septembre pour faire une double vidéo ou finalement je pense que je vais vous la montrer dans ce vlog. Voilà. Allez, tu me montres tes devoirs? Il y a eu ça. Oui, bah montre-moi tes devoirs. Tu ranges aussi après la table, tu passes l'aspirateur par terre. Il y a des bouts de papier partout, c'est une vraie cochonnerie. Tu mets tes chaussons aussi parce que t'es malade. Hein, parce qu'avec le changement de climat, là, il fait super froid le matin. Enfin, il fait super froid, mais il fait ouais, 8 degrés. Et l'après-midi, là, il fait 22, 24 degrés, donc il fait super bon. Mais forcément, lui, il a le nez qui coule. Puis bon, il est toujours pieds nus ou quoi que ce soit, donc forcément, ça n'aide pas. Bref, je vous montre mes colis et puis je vous montre ça tout de suite. Donc voilà le cirque, hein. Donc j'ai reçu donc la Prescription Lab, voilà, et j'ai reçu la Birchbox, et puis donc du coup j'ai passé une commande de chez Airburst, je pense que ça s'écrit comme ça, ça se prononce comme ça. En ce moment ils font une offre, un produit acheté, un produit offert, et je voulais tester leur petite gélule, vous savez les petits bonbons pour la pousse des cheveux. J'avais déjà testé des gélules comme ça en forme de bonbons, de petit ours, des produits que j'avais achetés sur Amazon qui étaient très très bien. Je vous mettrai le lien en barre d'information si ça vous intéresse, si vous voulez juste tester, mais en tout cas j'étais très contente. Le résultat était plutôt était correct, franchement j'avais vu des effets. Et donc là, j'en ai profité, j'ai racheté ça et en fait, il faisait un coffret. Je vais vous montrer un coffret avec les shampoings parce que je voulais aussi tester les shampoings. Je sais, bah là, c'est l'occasion justement de tester les shampoings et les gélules. Donc, j'ai eu ça en petit cadeau. Alors, je sais pas, c'est tout mou, je pense que c'est des petits bonbons. Voilà, donc tout sympa. Et j'ai aussi eu des petits élastiques, trop mignons. Voilà, 3 petits élastiques à cheveux, donc en cadeau. Donc, super cool, voilà. Et voici donc le coffret. Donc j'en ai deux, hein, des coffrets. Attends deux secondes.
Voici les petits, les fameux petits bonbons. Donc voilà, je vais voir ce que si je teste dès lundi ou si je voulais attendre début octobre pour faire la cure. Et les shampoings, donc il y a le conditionneur et le shampoing qui est à l'avocat et à la noix de coco. Et ça sent divinement bon. Voilà, donc j'ai hâte de tester parce qu'apparemment ces produits-là font des merveilles sur les cheveux. Donc je vous retiendrai au courant. Si vous avez déjà testé cette gamme-là, que ce soit pour ça ou les shampoings ou les gélules, dites-moi ce que vous en pensez de cette gamme, ça m'intéresse. Réponds pas par vrai, faux. Donc là, c'est le vrai faux. Là, c'est le vrai faux. Alors. Un soir, tu dessinas sur une feuille de papier. Faux. Il a dessiné sur un mur. Ah, d'accord. Ok. Donc c'est faux. L'étudiant peignit un héron sur le mur de l'auberge. Sur le mur de l'aubergiste. Ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est vrai. Oui. Sur le mur. Pas sur du papier. Tu fis un cadeau à son ami l'aubergiste. Oui. C'est vrai, ça. Monsieur Chang doit frapper trois fois dans ses mains pour faire danser le héron. Vrai. Le héron peut danser plusieurs fois par jour. Faux. Le héron peut danser. Ah bon, et c'est quoi la réponse? Qu'il peut danser qu'une seule fois par jour. Okay. En plus, c'est la France. Le héron peut danser seulement quand il fait nuit. Faux. Du coup, c'était pas ça. Non. Ok, très bien. Il peut pas danser quand il fait seulement nuit. Donc, le thème était flashback. Donc, nous avions une casquette plutôt sympa, couleur beige, World Jungle. Donc, c'est le roi lion, il me semble. En tout cas, elle est très sympa. La couleur, bon, elle est un peu grande, mais... mais en tout cas je peux la régler et je sais pas si je vais la garder moi ou même Evan. Je pense que peut-être qu'il peut voilà, parce que ça se règle, il peut peut-être même la porter, voilà, sachant que lui il faudra que je lui rachète une casquette pour l'année prochaine. On va la garder parce que de toute façon là c'est plus du tout la période, hein. Clairement je l'aurais reçue début août, c'était nickel. Là elle a recevoir mi-septembre, les casquettes ça sert à rien. C'est pour ça que franchement, quand on reçoit une box, d'habitude on la reçoit début août. Alors je sais qu'ils ont eu beaucoup de problèmes de transporteur, d'ailleurs apparemment ils ont changé le transporteur, mais ça abusait quand même quoi. Bref, ensuite nous avons des t-shirts déjà, un pins, oh c'est un Tamagotchi. Donc voilà, vous reconnaissez, c'est un Tamagotchi, ça je reconnais. C'était quelque chose qu'on utilisait beaucoup quand j'étais petite. Ensuite, le t-shirt. Alors, qu'est-ce que c'est? Love Gourd. Donc, sauveteur avec un requin dessus. Amity Island. Joe, ok. Voilà, les dents de la mer avec un t-shirt. Plutôt sympa. Franchement, ça c'est sympa. En fait, ça, c'est une aileron du requin. Oui, c'est ça. Ça, elles ont toujours... Et puis, ça forme une croix avec l'aileron de requin. Voilà, ça fait comme une croix de sauveteur. Donc, je trouve plutôt sympa. Franchement, j'aime bien. Ensuite, du coup, nous avons encore ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est jaune. C'est un t-shirt aussi. C'est une tente. C'est Jurassic Park, je pense, hein, parce que je reconnais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un truc pour. D'accord, comme celui qui s'était fait attraper et jeter aux toilettes, il avait une cape de quand il pleuvait. D'accord. Bon, c'est original. Pour les fans, franchement, je trouve ça cool. Pour les fans, je trouve ça hyper cool. Après, c'est quelque chose que je mettrai jamais, mais je trouve que pour les fans, c'est hyper cool. Par contre, ça, je vais pas le garder. Je pense que je vais le mettre sur mon compte Vinted. Je vais essayer de prendre des photos parce que je pense que ça peut plaire à un fan. Voilà, clairement.
C'est pas pour ce que... Alors, je connais pas du tout le prix. Donc, le t-shirt, il doit être à 20 euros, c'est ça. La casquette, 15. Le poncho, 10 euros, voilà. Et le pins, 4 euros. Et donc, nous avons la figurine. Et donc, là, c'est pas une pop, mais c'est une tufig. Malheureusement pour moi. Et donc, nous avons Wolverine. Voilà. Je suis pas... Ouais, bah vous savez, pour moi, les Q-Fig, vraiment, pour qu'elles me plaisent, faut vraiment, vraiment y aller. Donc là, pareil, si elle vous intéresse, je la mettrai, je vais la mettre sur mon compte Vinted, voilà. Je pense que d'ailleurs, avant que vous voyez cette vidéo, je la mettrai ce week-end. Comme ça, vous, normalement, elle devrait être mise quasiment au moment où vous voyez cette vidéo. Bah vous aurez la Q-Fig mise sur mon site. Je la mettrai dimanche, comme ça, vous l'aurez quasiment en même temps. Voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent, elle sera sur mon compte Vinted. Et si bah, vous ne la voyez pas, c'est que non, malheureusement elle aura peut-être déjà été vendue. Donc voilà, je vais mettre les deux choses là. Le point de choses pareil, je vais essayer de le prendre en photo et de le replier après. Et puis par contre, la casquette et le t-shirt me plaisent beaucoup. Donc voilà, bon, deux choses, c'est plutôt pas trop mal. Sachant que là j'en ai pour 20 et 15, ça fait 35 euros. Elle coûte un peu moins de 30 euros, elle coûte 25 euros. Et oui, c'est ça, même un petit peu plus parce que je crois qu'ils ont augmenté les tarifs d'un euro à peu près. Et si elle vous intéresse, par contre vous avez un, j'ai un code de parrainage pour vous de 5 euros. Donc du coup elle vous reviendrait à 20 euros. Donc là 20 euros clairement bah, c'est le prix du t-shirt. Hein, et puis vous avez tout le reste en cadeau. Donc ça vaut le coup quand même. Quoi qu'il arrive, même là, en gardant juste le t-shirt et la casquette, je suis avantagée. Ça y est, c'est prêt? T'as débarrassé? Oui. La table? Oui. Ok, qu'est-ce que t'allais me dire? Je suis quelle page? Attends, je vais te montrer. Tu me sors ton stylo plume? Tu t'entraînes au stylo plume? Attends, plumes. Même ça? Non, ça c'est pour les cadeaux à gagner, je sais pas quoi. Non. Bon, j'ai eu ceci moi. Voilà, bon, bah, je vais vous laisser pour ça sera tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien d'autre. Demain, je ne sais pas si je vous reprends parce que bah voilà, ce sera jeu. Non, c'est mercredi. Oui, mercredi, mais du coup, une fois que je vais le chercher au centre aéré, on a rendez-vous directement chez le médecin pour faire un certificat médical, bah, bien sûr, pour le judo. J'aimerais bien lui reparler. Ah, c'est ça que j'ai oublié aujourd'hui. J'ai oublié. J'ai oublié de prendre rendez-vous chez un médecin. Voilà. Et c'est que le mardi et jeudi, c'est agaçant. Donc voilà, bah, c'est toujours pour Evan. Donc bon, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais quelle lettre? Attends, j'arrive, j'ai dit. Mais pour deux secondes. Donc bon, je vais finir avec lui. C'est de voir. Voilà. Et puis je vous reprends plus tard. Bonjour tout le monde, et eh bien voilà, nous sommes vendredi. Alors c'est un peu un gros fail hein, ce Wikivlog, clairement. C'est juste que c'est la folie. Mercredi je pensais avoir le temps, mais en fait mercredi j'ai quitté hyper tard le travail. Je suis même arrivée avec pratiquement plus d'un quart d'heure, 20 minutes je crois de retard au centre aéré. Ils m'ont appelé sur la route en me disant vous êtes où? J'arrive, je suis juste en retard. Et puis après on avait rendez-vous chez le médecin pour un certificat médical pour Evan, mais au final j'ai aussi besoin moi, donc je reprendrai rendez-vous la semaine prochaine. Bref, mais on arrive avec plus d'une demi-heure de retard, mais ça va, elle nous a pris quand même. Donc on est rentré, il était pratiquement 7h, donc voilà, clairement je pouvais rien vous filmer. Hier, il y avait judo, donc pareil, on rentre, il est pratiquement 7h30, donc après c'est le rush, hein, à manger, douche, manger, et puis après c'est pratiquement au lit. Donc là nous sommes vendredi, c'était, je pense avoir plus de temps aussi, j'ai quitté le travail assez tôt, mais je devais aller au point relais pour déposer des colis Vinted, je devais aller à la poste pour aller chercher deux colis, et puis... qu'est-ce que j'avais d'autre? Et puis ça a pris un temps fou au point relais. Bref, j'ai voulu aller au magasin de fleurs. Pour celles qui me suivent, vous savez que finalement maintenant j'y vais plus du tout. Je préfère aller dans un autre, dans un garage. Ils sont top, ils sont super gentils, super rapides. Elle papote, l'autre elle est sur son téléphone portable. Elle dit oui, j'arrive, machin. Et elle est en train de jouer sur son téléphone portable. J'hallucine quoi. Et après elle trouve, elle râle parce que. Les gens, ils râlent, machin. Bah oui, enfin bon, c'est pas, elle est pas très très commerçante. Bref,
J'y vais, c'est surtout parce que c'est juste à côté de l'école, donc c'est plutôt pratique. Et là, quand j'ai vu l'heure, je me suis dit, bon, il faut que j'y aille. Et après, bah voilà, je suis allée chercher le petit. On vient de rentrer à l'instant. Ça fait quoi, 2 minutes qu'on est à la maison. D'ailleurs, je vous parle depuis presque 2 minutes, donc voilà. Et j'ai reçu, alors, j'ai fait une commande Yves Rocher. Donc, je pense qu'il y en a à qui ça va plaire pas mal. Donc, je vous montre, voilà, petite commande, petit sneak peeks. Donc, il y a des petits cadeaux, voilà, petit sneak peeks. Donc, je vais vous faire bientôt une vidéo sur les dernières nouveautés, voilà, de la rentrée de chez Yves Rocher. Donc, il faut que je vous fasse ça. Là, je vais aller faire ma vidéo, donc je vais me recoiffer un peu. Je brille un peu, donc je vais essayer de... Qu'est-ce qu'il y a ? Donc je vais me ravaler un petit peu la façade. Et puis j'ai passé une commande chez Shein. D'ailleurs je vais vous montrer rapidement. Sachant que j'ai commandé des produits de beauté chez Shein. Et je voudrais vous faire une vidéo crash test, voilà, des produits. Parce que sur YouTube j'en ai pas vu. J'ai cherché et en fait j'ai pas vu de crash test sur les produits de beauté. Vous savez qui font du maquillage Shein maintenant. Et j'ai pas vu de vidéo. Je me suis dit tiens ça pouvait être hyper sympa de vous faire une vidéo. Donc j'ai acheté un petit peu de tout. Je vais vous montrer. Alors sur la table, alors, ça, je pousse un peu parce que c'est Monsieur Evan, voilà, avec son casque de moto. Si vous voulez voir, voilà, petit casque de moto de Monsieur Evan. Alors, j'ai ouvert rapidement, donc je vais vous montrer un peu la commande. Alors, j'ai pris un fond de teint. Voilà. Ensuite, Shein, voilà, j'ai pris. Des petits, je crois, ça c'est des eyeshadow liquid, mais je sais pas du tout ce que ça donne. Ensuite, ça c'est un rouge à lèvres. Voilà. Ça c'est quoi? C'est une poudre. Une poudre, ici. En tout cas, tout est super bien emballé. Ah bah ça c'est une gourde. Et voilà, j'avais décidé de racheter une gourde. Je sais pas trop quelle taille elle fait. En plus, il y avait une petite housse. J'ai trouvé hyper sympa. Donc on va regarder ça après. Ça pareil, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, j'avais acheté des sandales. Je vous montre un peu tout hein, parce que j'ai pas passé commande que de maquillage. J'ai profité pour acheter. Voilà, je voulais faire des. Je voulais acheter des petites sandales. Oh, elles sont trop belles. Focus. Ah, elles sont super mignonnes. Voilà, moi c'était pour traîner à la maison parce que voilà, moi j'ai des. Je suis comme ça à la maison et du coup j'ai acheté, je voulais des petites sandales et elles sont super super jolies. Peut-être même un petit peu grandes. Oui. Mais je suis bien dedans, elles sont super souples. Oui. Et toi, t'as quoi toi? Des chaussons Yeti. Des chaussons Yeti. Ok, bon allez, on continue. Mais avant, ils avaient des ventouses. Regardez ce qui arrive à mes ventouses. Ah oui, ben ils sont troués en dessous, tes chaussons. Et les ventouses maintenant, regarde mes ventouses. Oui, ça glisse ce matin. Je vais même courir et glisser. Oui, ça glisse ce matin. Des ventouses glissantes. Alors, ensuite. Je savais même pas, alors j'avais acheté ce petit support pour Beauty Blender et en fait j'avais même pas vu qu'ils en offraient une avec. Voilà, oh, trop sympa. Ensuite, ah oui, un tapis de souris. Bon, je vais aller un pour le bureau. Un petit sac à dos, je vais vous montrer ça juste après. Ouais, c'est un petit pot, ça c'est pour mes colorations. Quand je fais mes colorations, il me fallait un pinceau avec un petit bol. Voilà, bon, du coup, sur Shein, c'était pas cher. Est-ce que je peux regarder? Attends une minute. Ça, c'est une palette de 12 fards eyeshadow. Alors là, vous voyez pas les teintes, mais en tout cas, bah voilà, je vous laisserai façon découvrir la vidéo qui sera très très bientôt sur ma chaîne. Ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est un blush. Ça, c'est un mascara.
Ça c'est un petit bandeau pour les voilà, un petit bandeau à mettre sous les que je voulais acheter. Et en fait, moi je vais m'en servir pour le mettre sur certains sous certains vêtements. Des fois, vous savez, il n'y a pas besoin de mettre de top. Et moi, je voulais mettre un petit bandeau voilà, pour les habits qui ont des trop grands décolletés. Un petit bandeau noir tranquille. Et ça, de nouveau, c'est une gourde d'un litre avec une pochette. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, il n'y avait pas les dimensions, mais elle est super, super jolie. Regardez, avec ce dégradé de vert. Voilà. Et puis, la petite housse en néoprène. Ça c'est un support. Et par contre, du coup, bah, ça tombe bien parce que ça, je vais m'en servir bah, pour le crash test. Donc, voilà, ça sera nickel. Et dernière chose, je voulais un mini sac à dos. Voilà, un tout petit, juste pour mettre des petites choses dedans. Normalement, il y a une once pour le porter. Il est vraiment tout petit, mais voilà, c'était pour des fois, c'est pratique que d'avoir un sac à main, des fois, deux petites choses dedans. Donc voilà, il y a une once pour le porter en bandeau, en sac à dos. Puis voilà, il y a deux petites poches. C'est tout simple. Hein. Ah oui, ça c'est bien pour le ranger, la lampe. La lance, c'est pas une lance. Donc voilà pour les achats, donc la vidéo Chine, n'hésitez pas à me suivre hein, de toute façon sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez alerté dès que la vidéo sera faite, mais je pense qu'elle sera faite la semaine prochaine. Voilà, je vais essayer de la filmer ce week-end, j'ai énormément de vidéos à vous faire, j'ai pris beaucoup de retard ces derniers temps, donc je vais essayer de rattraper déjà pas mal ce week-end. Je vais déjà en faire une là, faudrait peut-être que je me dépêche parce qu'il va être déjà 6h et j'ai encore rien fait. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain je dois recevoir encore d'autres colis, donc ce sera la suite demain. Là je vais vous laisser, je vais tourner ma vidéo et puis on se dit donc à plus tard. Donc voilà, une vidéo de fête. Là j'ai reçu deux colis, donc je vais aller vous montrer. J'ai reçu un colis de Food Springs, donc je vais aller vous montrer un petit peu les dernières nouveautés. Ils ont sorti pas mal de petites choses que je voulais tester, donc que j'ai acheté. J'aime bien acheter un petit peu, peut-être une fois tous les deux mois à peu près, je fais une petite commande Food Springs. J'aime beaucoup leurs produits, donc ils sont bons et ils restent assez chers, mais voilà, je trouve que c'est des très bonnes qualités, donc j'aime bien de temps en temps prendre leurs produits, sachant qu'en plus c'est pas des produits qu'on va consommer en moins d'un mois quoi, donc ça dure dans le temps, donc voilà, je me fais un petit plaisir, donc je vous montrerai ça. Et puis aussi j'ai recommandé une Birchbox édition spéciale, et là c'est la édition sportive. Je vais vous montrer, en tout cas j'ai reçu déjà rien que le sac, il est trop beau. Franchement les éditions Birchbox, alors j'essaye de vous montrer sur internet. C'est l'édition, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo en barre d'informations. Édition limitée, c'est Workout. Voilà, et donc elle a une valeur de 124€ et je l'ai payé donc moi 33,58€, et sinon elle coûte 39,50€ pour les non-abonnés, mais pour les abonnés voilà, elle coûte 33,58€. Elle vaut le coup au niveau du contenu, elle est plutôt sympa, et rien que le sac de sport je trouve trop. Alors mon petit colis Food Springs, alors je sais plus trop ce que j'ai acheté, mais j'ai acheté. Hop, on va mettre ça là. Alors, si j'avais pris des nouveautés... Alors, ça, c'est un cadeau. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est de la glace protéinée à... Ben là, c'est à la noix de coco. Et je me demande du coup, parce que je crois qu'il y avait une erreur quand j'ai passé commande. Mais ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai eu aussi chocolat. Alors voilà, elles ne sont quand même pas données. Chocolat, et j'ai eu... Voilà, pour faire des glaces. Donc, chocolat et noix de coco. Donc, ben, je testerai. Franchement, je testerai parce que je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur pour... Oui, c'est de la poudre. Ah, il y a même un bâton. Non, non. Ensuite, j'ai pris, donc principalement ma commande c'était pour deux choses, donc c'était pour ça, parce que ça c'était les cadeaux hein, que je vous ai montré, Workout Amidos, donc elle a pastèque, voilà, donc ça permet en fait quand vous faites votre séance de sport de le mettre dans votre gourde d'eau. Et de gagner toujours en énergie, voilà, si vous manque un petit peu d'énergie ou de patate,
Moi, des fois, le soir, c'est un peu difficile, le matin aussi. Et ben, avec ça, ça vous aide à garder de l'énergie. Donc, c'est plein d'énergie en fait pour votre séance de sport. Donc voilà, je vais mettre ça dans ma gourde. En plus, au lieu de boire de l'eau, vous buvez quelque chose avec aromatisé. Donc, je pense que je vais goûter. Je vais voir ce que ça donne. Donc j'ai pris également, donc ils ont sorti une nouvelle chose, donc c'est une pâte à tartiner à la noix de coco, voilà, donc pâte à tartiner protéinée, 85% de moins de sucre, donc bah à tester. Alors après, ce sera pas forcément en pâte à tartiner que je vais l'utiliser, mais dans des gâteaux, des fois, voilà, par exemple, je vais faire un gâteau au chocolat, puis je vais mettre à l'intérieur une petite cuillère de ça. Enfin voilà, c'est comme ça que je vais l'utiliser plus qu'en pâte à tartiner, parce que je pense que ça risque d'être un petit peu écœurant. Mais ça a l'air trop beau. Et en dernière, vraiment dernière nouveauté, justement où je passe les commandes, ils ont sorti ça, donc c'est des pâtes protéinées. Bah, c'est moi qui les testerai, hein, voilà, je me ferai des pâtes pour tester. Donc 6-7 minutes. Voilà, bah, à voir ce que ça donne au niveau des pâtes. Mais ça peut être un bon compromis de manger ça, voilà, avant, si je dois faire ma séance l'après-midi, je mange ça à midi, ou voilà, ou le soir, après une bonne séance de sport, à voir. Et voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Qu'est-ce qui reste? Ça, c'est de la publicité. Hop. Ah oui, je me suis pris des petits bars. Ça, j'adore. Les paléos. Donc les paléos myrtilles, j'adore. Noix de coco, j'adore. Et j'ai pris aussi la mangue. Ça, à la pape, pas la mangue. Fruit de la passion. Et j'adore également. Voilà. C'est mes barres chouchoutes de leur site. Même de tous les temps, hein, de tous les sites mélangés. Les paléos, c'est vraiment ce que je préfère. Et donc, je vois que j'ai un gros pot de whey protéiné noix de coco. Alors, je me souvenais plus du tout d'avoir acheté ça. Je ne sais même plus pourquoi je l'ai acheté. Mais bon, je l'ai acheté. Bien sûr, à chaque fois, ils fournissent un shaker. Donc, bon, c'est hyper pratique. Bon, malgré que j'en ai déjà un, deux, je dois en avoir trois ou quatre à chaque fois. Moi, j'utilise celui au chocolat. Alors, peut-être que j'avais pris noix de coco pour varier ou pour mélanger peut-être un petit peu les deux. À voir. Ça, je l'ai mis dans mon panier. Mais alors, je vous avoue que là, ce coup là je sais plus trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave parce que c'est un de mes préférés aussi. Je l'aime beaucoup, celui-ci, avec le chocolat. Ils sont vraiment très très bons. Donc voilà un peu toute ma commande. Donc si ça vous intéresse en tout cas de commander chez Foodsprings, ou si vous voulez tester, je vous mets un code de promotion, un code de parrainage qui vous permet d'avoir une réduction de 15 euros. Donc 15 euros, c'est quand même pas négligeable. Vous pouvez acheter déjà pas mal de choses avec 15 euros. Et bah, si ça vous intéresse, bah voilà, ça vous permettra de pouvoir tester aussi des produits. Franchement, je les aime beaucoup, hein. Alors ceci, c'est mes barres préférées. Ça, j'ai hâte de tester. J'avais déjà aussi la pâte à tartiner au chocolat qui était très bonne. La whey, c'est une des meilleures. Elle a vraiment pas de goût farineux comme les autres, parce qu'en plus je mets moi de l'eau à l'intérieur. Je mets pas de lait, donc c'est encore plus difficile. Et franchement, c'est très très bon. Celle au chocolat, c'est une tuerie. Et celle à la noix de coco, pour ceux qui aiment, franchement, allez-y aussi. Elle a pas du tout de goût farineux. Et bah, du coup, on testera aussi, je testerai à l'occasion les glaces, voilà, pour voir ce que ça donne. Et puis bah, les pâtes, j'ai hâte de tester également. Voilà, donc en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, bah, vous avez je vous mets un code promo, un code de parrainage de 15 euros. Donc voilà le sac qui est un petit peu imitation Tony Finger, moi je trouve, donc avec marqué Birchbox. Il est hyper mignon, hyper sympa, voilà. Et donc il est rempli de produits que je ne vais pas vous montrer bien sûr, mais je vous ferai une vidéo. Donc bah, si ça vous intéresse de voir le contenu, bah, vous le verrez au cours de la semaine. Voilà, dans la semaine je vais vous faire la vidéo du contenu. Il y a quand même une petite poche ici. Il est hyper, hyper mignon, même en sac de piscine, ça peut être hyper sympa. Bon, sinon, on a été au Leclerc rapidement acheter des petits cahiers. Et aussi un yo-yo. Oui, monsieur Evan a pris un petit yo-yo. Regardez. Oui, ça manque d'entraînement. Mmh. donc,
Oui, c'est les Blazing Team. Je pense que vos enfants connaissent. Voilà, bref. Oui, donc j'avais acheté ça, vous savez, sur dans mon magasin L'Incroyable, des cahiers de brouillon, parce que la maîtresse avait demandé des cahiers de brouillon, sauf que du coup, ça ne va pas, parce que c'est les vraies feuilles de brouillon, mais ils sont papier recyclé, très, un peu brune et très, très fine au niveau du grammage. C'est du 60. Je n'ai pas regardé les autres. Et du coup, le stylo à plume transverse, voilà, traverse. Donc, c'est pas terrible. Donc, ça ne va pas. Alors, avec Evan, on va. Du coup, on a changé. J'ai racheté des petits cahiers comme ceci. Et du coup, là, c'est des combien de grammages? C'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. En tout cas, j'en ai pris. Voilà, c'est des esquisses. Hein. J'ai pris première marque. En plus, là, il n'y avait quasiment plus rien. C'était déjà tout en train d'enlever. J'ai pris 4 couleurs parce que je sais qu'ils vont en avoir pas mal l'utilité. 96 pages, c'était 86 centimes, je crois, le cahier. Donc, ça va, c'est pas... Je me suis pas ruinée. Donc, je vais lui repréparer. Puis, du coup, il pourra écrire tranquillement dedans. Parce que, oh, du maman, coup... Tu vois ce que je voulais. Oui, j'ai vu. Tu as commencé à y arriver. C'était bien. Et du coup, il avait écrit des choses dedans. Et puis après, là, sa poésie, avant de l'apprendre, ils doivent l'écrire. Et du coup, il écrivait au crayon papier. Mais il va l'écrire au stylo dans le nouveau cahier. Donc, il fera ça demain. Voilà. C'était le petit update. Et puis, j'ai reçu une carte Yves Rocher. Avec le nouveau programme de fidélité, donc avec des cartes maintenant, voilà, où ils pourront changer les cartes. Par contre, elles sont pas super jolies, hein, parce que c'est pas ma tête qui est dessus, donc forcément. Choisir votre jolie carte, ouais, je sais pas trop. J'aurais préféré sans forcément avec un visage dedans, moi, mais bon. Premier cadeau fidélité, donc là, apparemment, j'ai droit à un mascara. Donc celui-ci, je le connais pas, donc et 400 points offerts, parce que du coup, tout a été remis à zéro. Donc voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui? Rien. Là, je vais continuer à faire. J'ai des photos à faire. J'ai un montage vidéo à faire. Là, le papa d'Evan est parti chercher son frère. Voilà, parce que ce matin, il était au roller. Et donc, du coup, il est parti le chercher seulement là. Et puis, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, j'ai du ménage, des lessives. Là, j'ai ma troisième lessive. Oh, bien! Oh, t'as réussi deux fois. Il y a aussi deux fois. En plus, là, c'était un double fois. Ouais. C'était une double fois. Hop, tu rembobines, on le montre à tout le monde. La pression, là. Hein. Attention. Allez, je vous montre ça. Ouais, bravo. Alors, vous savez où je l'ai acheté? Au Leclerc, si vous en voulez un. Allez au Leclerc, rayon enfant. Et celui-là, il coûtait 8 euros, ouais. Oui, 8,76 euros. Ou 79, je sais plus. 0,76. Alors, allez au Leclerc si vous en voulez un. Voilà. Voilà, ça sera tout pour nous pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser là, je vais monter. En plus, j'ai plus de batterie, donc ça va sûrement couper. Merci d'avoir regardé ce vlog et on vous dit donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.